Excusez-moi, c'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le water polo. On ressemble à une bande de PD? Je sais pas, non. Et merci. Vous avez rencontré notre nouveau coach? Vous le reconnaissez pas? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie. Bon, allez, vas-y, lâche-moi le cul, pédé-toi, arrête la caméra, c'est bon. Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle. 3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes à clé. Il aura la responsabilité d'entraîner pendant 3 mois. Vous allez me faire 200 mètres en rétropédalage, ça va vous calmer. C'est toi la rétropédale. Avant de les conduire en Croatie aux Gay Games. C'est quoi les Gay Games? C'est comme les JO, en moins chiant, avec que des beaux mecs. Allez, entraînement surprise. Olé. C'est quoi la meilleure façon de faire un pressing, Fred? Le nettoyage à sec. Ah, on perd pas contre les tapettes de cahiers, Lucas. Dans lesbienne, y'a hyène. Et putain, mais je comprends plus rien, on a le droit de dire des trucs comme ça? Nous, oui, mais toi, non. Les amis gays, j'en ai plein. Ce sont des gens brillants et extrêmement raffinés. Pourquoi vous mettez votre bite à l'air? Remets ton slip. Ton niquet. Vous en avez rien à foutre de rien, en fait. Alors, si vous supportez plus, on n'est pas obligé d'y aller, d'accord? Eux aussi, tu voulais les abandonner? Même ta propre fille, bientôt, elle voudra plus te voir. Les Gay Games, c'est pas qu'une énorme fête. C'est aussi le moment où on peut montrer au monde qu'on est solidaire et qu'on existe. Moi, j'ai pas le temps pour ce cirque. Il y a sanction, Mathias. Une belle bande de mecs qui traversent la moitié de l'Europe en bus. C'est sûr, il va se passer des trucs. Il y a une règle dans l'équipe, pas de levrette entre crevettes. Dispersion! Quand je pense qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'être pédés. Et le nom, vous avez trouvé ça comment? Dans la crevette, le meilleur c'est la queue. Et puis avec des paillettes, c'est encore mieux. D'accord.